suis Marion Muller-Collard, je suis l'éditrice des éditions Labor et Fides. Et les Mardis d'Alphilo organisent un cycle de conférences avec des auteurs d'une nouvelle collection qui s'appelle la collection Qu'est-ce que ça change ? La collection Qu'est-ce que ça change ? Elle a pour vocation de penser en commun. C'est un enjeu important politique au sens large du terme pour aujourd'hui. Et penser en commun, ça veut dire pouvoir partager quelque chose de l'expérience de la pensée, de montrer ce que la pensée change, la pensée d'un auteur qui explore ce que change pour lui une notion qui lui est chère, qui l'interpelle, qui le dérange peut-être. Et ça ne veut pas dire penser tous la même chose, penser en commun. Ça veut dire être capable de faire ensemble l'expérience de la pensée. Vous allez avoir le privilège d'entendre Alexis Génie en dialogue avec Lionel Nakache pour Le cerveau, qu'est-ce que ça change ? Et Carole Wiedmeyer, spécialiste de Hannah Arendt pour La promesse, qu'est-ce que ça change ? Et Nathalie Sartoulaju pour La ferveur, qu'est-ce que ça change ? On a souvent tendance à penser qu'il faut d'abord savoir avant de comprendre. Et le pari de cette collection, c'est de d'abord comprendre l'enjeu pour avoir envie d'en savoir plus. Et ces auteurs vont vous accompagner sur ce fil tendu de la question « qu'est-ce que ça change ?». Voilà, c'est une expérience qui est amenée par un auteur, parfois philosophe, parfois pas, mais qui fait une expérience de transformation et nous engage à nous demander à chacun, à nous-mêmes, quelle transformation opère le thème dont il s'empare dans sa propre vie et pour le monde.